L'exécutif communal de la ville d'Mfou est au chevet des couches les plus vulnérables de cette société. Le 1er septembre 2023, c'était donc la deuxième édition de la journée de solidarité de cette municipalité placée sous le haut patronat du préfet du département de la Mefou et Afamba. La première étape, c'est ici, au centre d'accueil et d'assistance des personnes âgées, où des dons et des denrées alimentaires ont été remis au bénéfice des pensionnaires de cet établissement avec la reconnaissance de ceux-ci. La deuxième étape, c'est à la prison d'un fou qui reçoit pour la circonstance des lits en étage ainsi que des matelas. Le maire Francis Ngoumou ayant décidé d'améliorer les conditions d'hébergement des pensionnaires de cet établissement pénitentiaire, lui qui avait fait un tour ici et qui n'avait pas été heureux de constater que les prisonniers avaient des mauvaises conditions. Ça vient du cœur. J'ai fait visite à la prison principale de Mfou à l'occasion d'une cérémonie à peu près similaire. Et le spectacle ne m'a pas plu. Alors j'ai décidé, autant que faire soit possible, de corriger un certain nombre de choses, notamment d'améliorer quand même les conditions de couchage des mineurs, qui n'étaient pas ce qu'il y avait de mieux. Nous avons été, d'ailleurs vous étiez avec nous, vous avez vu les doléances de monsieur le régisseur. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là et nous les prenons par ordre de priorité. Donc ce n'est pas un message particulier. Le message que j'ai voulu donner aux jeunes, aux élèves, c'est leur dire que ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Hein, et évitez de vous retrouver comme vos frères de ce côté-là en vous tenant à carreau. Le régisseur ne pouvait donc exprimer sa gratitude à l'endroit des donateurs pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Nous sommes dans le département de la Mefou et Afamba. Vous êtes élite du département de la Mefou et Afamba. Mais nous autres, nous venons travailler ici, nous sommes de passage ici. Et la majorité de ceux qui séjournent dans cette prison sont des ressortissants de la Mefou et Afamba. Donc ne laissez pas mourir, ne laissez pas crever vos fils et filles. Ils ont fauté, mais ils ont besoin, monsieur le maire, qu'ils soient accompagnés. Et je salue une fois de plus l'initiative d'aujourd'hui que je souhaite être étendue aux autres catégories sociales en l'État. C'est aussi une preuve que la mairie de Mfou se soucie de l'amélioration des conditions de détention à la prison principale de Mfou. L'autre étape était relative à la rentrée scolaire qui sonnera dans quelques heures seulement et l'exécutif communal de Mfou ne voudrait qu'aucun enfant ne soit laissé sur le bas-côté de la route. En remettant des dons de fournitures scolaires, il est question pour le maire et ses collaborateurs de s'assurer qu'aucun enfant ne restera à la maison faute de fournitures. Il est de bon ton de savoir que, à la veille de la rentrée, comme cela est de coutume, que cette collectivité territoriale nous vienne en renfort. Et c'est ce que nous venons de vivre. Nous sommes tellement satisfaites que nous ne pouvons pas dire que nous crachons sur un paquet comme celui-là. Nous disons merci à la collectivité territoriale. Avec ses actions à la fois humanitaires, la commune de Mfou manifeste ainsi sa grande solidarité vis-à-vis de ses populations, dont l'amélioration des conditions de vie constitue le principal leitmotiv de l'exécutif communal que dirige Francis Ngoumou, qui travaille d'arrache-pied pour changer la physionomie non seulement de la ville d'Mfou, mais aussi de la vie de ses populations. FH News, votre télévision.